Amis internautes d'ivoiretv.net, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette émission Ivoire TV Show. Alors, je reçois aujourd'hui une icône de la musique ivoirienne. Lui, c'est Ange Didier Wong, appelé affectueusement Arafa DJ Yorobo et j'en passe. Yorobo, c'est Romain. C'est Calé, Calé. On dit quoi ? Je suis là, la famille, je suis là. Je vais bien, je suis là. Alors, quelle est cette histoire dont tout le monde en parle sur le net, cette vidéo voilà. Bon, pour cette vidéo, sincèrement, j'ai mille fois demandé pardon à tous les fanatiques et je leur redemande encore pardon. Hein, mais j'étais très fatigué, cette histoire s'est déroulée en 2010. Donc c'est une vieille histoire. Hein. Pardonnez-moi pour mon acte, mais c'est parce que j'étais sur les nerfs. Parce que j'avais appris quelque chose qui m'a terrifié, qui m'a vraiment fait mal au cœur. Donc... c'est pourquoi j'ai agi ainsi. Mais je demande pardon à tous mes fanatiques, c'est ce qui compte. On raconte que tu prends des cachets, des spectacles sans honorer tes engagements. Arafa DJ, tant que vous ne voyez pas de vidéo de lui, n'allez pas dans les spectacles. Quand je prends l'argent d'un promoteur de spectacle, je respecte toujours mes rendez-vous et mes spectacles. Donc il y a des promoteurs qui s'amusent à mentir aussi qu'Arafat vient ou qui n'ont rien donné à Arafat. Tant qu'on ne me paye pas, je ne vais pas venir. Je vis pour l'argent, j'aime l'argent parce que l'argent c'est la clé du monde. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Donc je vis pour mon boro au bien. Commandant Zabra, quels sont tes rapports avec de Bordeaux Linkoumfa? Je n'ai pas de rancune envers mon frère, c'est mon frère, je l'aime, je l'ai toujours aimé. C'est les gens qui nous ont séparés, c'est la bouche des gens qui nous ont séparés. Mais il y a une réconciliation qui est en train de se mettre en place, donc Inch'Allah, tout est dans la main de Dieu. Les fanatiques seront gérés très bientôt. Alors tout le monde dit que tu es un bandit, tu es un petit voyou, tu es impoli. Arafat remplit le palais de la culture, quel est ton secret, Yorobo? Moi, il n'est pas le secret, un ouchi reste un ouchi. Voilà, donc... je ne suis pas bandit. Tu me respectes, je te respecte. Tu es impoli à moi. Même fois Dieu, il est insulté. Je vais te montrer que je suis impoli. Tu as tes milliards, c'est tes milliards. Tu me respectes en tant qu'un rienneux. Je vais te respecter en tant qu'un milliardaire. Tu te fous de moi parce que tu es milliardaire. Je vais t'envoyer au fin fond de mon cul. Donc c'est comme ça, Arafat DJ. Tu le respectes, il te respecte. Alors DJ Arafat, un mot pour tous les Ivoiriens de la diaspora qui nous regardent depuis les États-Unis. Réconcilions-nous. Le pays a besoin de ça parce qu'on a Abidjan, mais on sent qu'on n'est pas réconcilié. Il n'a pas dit pourquoi, c'est pas un politicien. Donc, tout ce que je demande, c'est la réconciliation. C'est pourquoi, en guise de vous montrer l'exemple, moi et de Bordeaux, on va se réconcilier. Et on va vous donner un grand conseil. Et j'espère que ça va motiver beaucoup de personnes à pardonner certaines personnes dans ce pays-là. Tu as fait sortir un nouveau concept? Le concept est en train de déranger en ce moment toutes les boîtes de nuit. Ça s'appelle la pancaka. C'est le pango renversé. Donc vous aurez l'occasion de découvrir ça à Tempo parce qu'on a fait Tempo, ça passe je crois ce samedi. Donc déjà c'est déjà, la danse a déjà pris. Hein? C'est le Yorobo, même si c'est lolo, ils vont danser. Donc certains artistes n'ont qu'à comprendre que c'est plus parce qu'il est fort, mais c'est son nom qui agit maintenant. Donc voilà. Alors l'émission est pratiquement terminée, ton mot de fin à DJ Arafat. Mon mot de fin. Allez, que tu langues, je maman, ya maman, ya bana, comme commandant, commandant Zabra, comme maman, tout le cas, chéri, coco, tu sais que tu es charmante, tout le monde te regarde, c'est le commandant. Ou comme maman, maman, pankaka, c'est pas ni à Zibou. Alors, merci à DJ Arafat, Zoropoto, Yorobo. Koroi, c'est mon nom, nous nous nom, Koroi. Koroi, vous l'avez deviné. Alors, merci d'être resté en notre compagnie et au revoir. Voilà. Tu es au milieu là. Ouais, le troisième match est au milieu. Ça, ma femme va me tuer.